Il n'a que 17 ans, mais il est déjà une étoile montante du football. Grâce à ses talents exceptionnels et sa popularité grandissante, Lamine Yamal gagne aujourd'hui des millions. Mais que fait-il vraiment de toute cette fortune? Entre voitures de luxe, voyages de rêve et soutien à des causes qui lui tiennent à cœur, la vie de Lamine Yamal ressemble à un vrai conte de fées. Dans cette vidéo, découvrez comment cette jeune prodige du football dépense ses millions. Avant de commencer, revenons brièvement sur son incroyable parcours. Lamine Yamal Nasraoui Ebana a vu le jour le 13 juillet 2007 à Esplugues de Llobregat, une charmante ville proche de Barcelone en Catalogne, Espagne. Fils de Sheila Ebana, serveuse au MCDO originaire de Bata en Guinée équatoriale, et de Mounir Nasraoui, peintre en bâtiment venant de Larache au Maroc, Lamine est le produit d'une rencontre interculturelle unique. Lorsque Mounir, à peine âgé de 9 ans, arrive en Espagne avec sa mère, il ne se doute pas que son voyage le mènera à Sheila, une compatriote également immigrée. Ensemble, ils fondent une famille, et en 2007, Sheila donne naissance à Lamine. Toutefois, en 2010, alors que Lamine n'a que 3 ans, ses parents se séparent. Malgré la séparation, Mounir et Sheila continuent à être présents dans la vie de leur fils. La famille, alors résidant à Mataró, se divise. Sheila s'installe à Granollers, une ville située à une trentaine de kilomètres au nord-est de Barcelone. C'est là que Lamine commence à découvrir sa passion pour le football. À l'âge de 4 ans, il rejoint le club de football La Torta, un club local où il commence à briller sur le terrain. Alternant entre les deux villes pour passer du temps avec ses parents, Lamine grandit à Rocafonda, un quartier de Mataró souvent décrit comme « oublié » par les médias. Il célèbre ses buts en faisant un geste distinctif avec le numéro 304, un hommage au dernier chiffre du code postal local. Ce geste devient un symbole de fierté et d'identité pour la communauté ouvrière de Rocafonda. À l'âge de 6 ans, le talent de Lamine ne passe pas inaperçu. Repéré par le prestigieux FC Barcelone, il est invité à s'entraîner à la Masia, l'académie de football du club. En 2014, Lamine rejoint officiellement le FC Barcelone, déménageant à Barcelone pour vivre et s'entraîner au cœur du célèbre centre de formation. Son ascension fulgurante au sein du club emblématique n'est que le début d'une carrière prometteuse. Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, a su captiver l'attention dès ses débuts à la Masia, l'académie réputée du club. Intégré dans l'équipe juvenile, bien que légèrement plus jeune que ses coéquipiers, il se distingue rapidement par son talent éclatant. Dès septembre 2022, l'entraîneur Xavi, impressionné par ses performances, décide de l'inclure dans les séances d'entraînement avec l'équipe première. Bien qu'il n'ait pas encore signé de contrat professionnel, Yamal est déjà perçu comme une étoile montante du club. Le 29 avril 2023, Yamal fait son entrée en équipe première avec éclat. À seulement 15 ans, il remplace Gavi lors d'une victoire 4-0 contre le Real Betis en Liga, devenant ainsi le 5e plus jeune joueur de l'histoire de la Liga et le plus jeune de l'histoire du FC Barcelone depuis 1922. Ce match marque le début de son incroyable aventure. Moins de 2 semaines plus tard, il célèbre son premier titre en Liga, bien que sa participation à la célébration ait été compromise par un engagement international avec l'Espagne. La saison 2023 à 2024 voit Yamal franchir de nouvelles étapes. Le 20 août 2023, il obtient son premier départ lors d'une victoire contre Cadix et est acclamé par les supporters. Ses performances impressionnantes continuent, avec une nomination en tant que joueur du mois et des débuts en Ligue des Champions le 19 septembre lors d'une victoire contre Anvers. Son contrat est prolongé jusqu'en 2026, avec une clause de rachat d'1 milliard d'euros. Yamal ne cesse de briller. Il marque son premier but en équipe première le 8 octobre contre Grenade et se distingue encore lors du Clasico le 28 octobre. En décembre 2023, il remporte le trophée Golden Boy The U-Gest. En janvier 2024, il devient le plus jeune joueur à marquer en Supercoupe d'Espagne et participe à la finale contre le Real Madrid. Il établit également un nouveau record en Copa del Rey et marque son premier doublé en février 2024 lors d'un match contre Grenade. À 16 ans, Yamal est devenu un phénomène du football, battant de nombreux records pour Barcelone. Plus jeune titulaire, plus jeune joueur à enregistrer une passe décisive et plus jeune buteur en Liga, entre autres. Il est aussi le plus jeune joueur à atteindre plus de 10 contributions de but en Liga et à marquer son empreinte en Ligue des Champions, où il est devenu le plus jeune joueur à jouer lors des phases à élimination directe. Après avoir exploré l'histoire de Lamine Yamal, voyons comment le jeune prodige gère sa fortune et son mode de vie. Actuellement évalué à environ 180,9 millions d'euros, Lamine Yamal est l'un des jeunes talents les plus prometteurs du FC Barcelone. Son contrat, qui le lie au club jusqu'en juin 2026, inclut une clause libératoire impressionnante de 1 milliard d'euros. Ce montant astronomique montre à quel point Barcelone mise sur son avenir. En plus de son salaire au Barça, Lamine Yamal a signé un contrat de sponsoring avec Adidas, qui est également l'équipementier de son idole Lionel Messi.
Ce partenariat avec Adidas pourrait lui rapporter plusieurs millions d'euros, renforçant son image et sa marque personnelle. Malgré ces millions, Yamal n'est pas connu pour des dépenses extravagantes. Selon certaines rumeurs, son ex-petit ami, Alex Padilla, aurait mentionné que ses parents supervisent étroitement ses finances. Elle aurait déclaré que, même pour ses dépenses personnelles, Lamine dépend de l'approbation de sa mère et que la plupart de ses biens sont enregistrés à son nom. Les parents de Lamine le contrôlent beaucoup, et cela m'agace. Il ne possède rien à son propre nom. Tout est au nom de sa mère, affirma Alex Padilla. Bien que cette déclaration reste à vérifier, cela suggère que Lamine, encore mineur, est protégé de potentielles dépenses impulsives grâce à la gestion de sa famille. Selon le journal Diario AS, Lamine Yamal gagne actuellement 1,67 million d'euros par an, soit 139 000 euros par mois ou 32 000 euros par semaine. Cette rémunération lui permet non seulement de subvenir à ses besoins, mais aussi de contribuer au confort de sa famille, avec qui il semble entretenir des liens étroits. Lorsqu'il n'est pas sur le terrain, Lamine profite parfois de vacances avec ses amis, dont le footballeur Nico Williams. Bien qu'il ait la possibilité de se faire plaisir, il ne peut pas encore acheter ou conduire des voitures de luxe en raison de son âge, mais il pourrait opter pour un chauffeur privé pour ses déplacements. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de regarder aussi cette vidéo.